Julie, comment ça va? Salut, ben ça va super. On est bien accompagnée aujourd'hui. Ah oui, je suis très bien accompagnée, donc je suis en présence de Nadine. Bonjour. Nadine Virasamy. Virasamy. Ben, je n'ai pas osé dire le nom, je laisse à Nadine le soin de se présenter, mais en tout cas, voilà. On a le plaisir d'être avec Nadine. Et toi, Nadine, c'est aujourd'hui. À pas vous. Oui, Julie, à pas vous. Ça, c'est normal. Bah, ça, non. Bien, bisous, Nadine. Allez, revenez là. Vous êtes quoi, Edda? Non, mal bas aussi. Mais plus rare, en tout cas. Hein. Voilà. En tout cas, Nadine, merci d'être avec nous. Ah, c'est un plaisir, comme toujours, hein, d'être avec l'équipe de Canal Austral. D'accord. Je suis Nadine Virasamy, chanteuse de Voler les hommes. Sur YouTube, vous allez voir. Ah oui, ça, on ne peut pas rater. On ne peut pas rater Voler les hommes. Hein. Voilà. Il n'y a pas que Voler les hommes, parce qu'il y a d'autres aussi bientôt qui vont arriver. Hein. Et mes Voler les hommes aussi, là-bas. Ça, je laisse le soin aux hommes d'écrire. Ah, d'accord. D'accord. Là, non, mais c'est une émission de cuisine, hein? Ah, ben. Oui, oui. On c'est... parle de chansons aussi, Nadine. Oui, oui, mais on peut, alors, on peut, mais ben... là, tu vois, il y a d'autres personnes qui vont cuisiner, oui. Mais avec vous aussi. Tout à d'accord. fait. Je vais aller les voir. Bien sûr, mais on parlait de l'album de Nadine. Oui. Donc, mais... Nadine, tu vas sortir un nouvel album, oui, alors. Oui, mon premier album qui va sortir. Enfin, j'ai prévu la fin septembre. Ouais, ouais. D'accord. Fin septembre. Oui, restez connectés sur Canal. Et tu as déjà un titre à nous communiquer ou pas? Ou c'est la surprise? Oh, je vais garder un petit c'est surprise. C'est la surprise. Aussi, hein. D'accord. T'es bien curieuse, toi. Hein? Ah, ben, je sais pas. Moi, j'aimerais savoir un peu plus. D'accord. Mais d'accord. C'est la surprise, donc on attend. Il y a quelqu'un qui m'a dit la dernière fois hein, que la patience guérit la gale. Mais et pourtant, ben... il faut avoir la gale. Ouais. Mais là où les pas, où les patients, il faut attendre. Oui, il faut attendre. Voilà, hein. C'est ça. Tout vient à point à celle ou celui qui sait attendre. Oui. T'as vu c'est comment ça. J'ai bien tout dit ça. Tout vient à point nommé, tout voilà. À fait. Voilà, ça va oui. Pas de nom. Hein. Allez, bon, allez, à tout de suite. Hein. À tout de suite. Comment est Titi? Comment ça, il n'y a peu pas appel à où Titi? Hein? Titi, comme il cause, cool là, où tac, couteau, j'ai la tabelle. Ah là, tu comme ça, nous commence. Okay. Qu'est-ce que ça fait pour nous aujourd'hui là? Ben aujourd'hui, on va faire un petit rougail saucisse. Oui, mélangé avec boucané. Mélangé avec boucané. Ouais. On a Béana aussi à côté de nous. Là, il s'accorde un petit peu avec nous. Béana, comment il est? Bonjour, comment ça va? Ça va. Big up toute cuisinière Canal Austral et toute l'équipe Canal Austral. Ah, merci. Et un petit big up à toute la Réunion, toute la métropole. L'île Maurice, on n'oublie pas l'île Maurice parce que nous reçoit hein? Aujourd'hui des enfants de l'île Maurice. Ouais, hein? Big up l'île Maurice alors. Voilà. Hein? Titi va nous raconter ça tout à l'heure. Hein? Mais où est-ce que ça fait pour nous là? Ben, comme on a les enfants, ça fait un coq aux pommes de terre. Un coq aux pommes de terre. Ouais. Bon, hein? Hein? En créole. On va mettre pommes de terre pour gagner un petit peu la quantité. Ouais. Les bon, alors, on dit pommes de terre ou bien pommes de terre? On dit pommes de terre. Pommes de terre. Moi aussi, on dit pommes de terre. Titi, pommes de la terre. Pommes de la terre. Julie, dis comment? Pommes de terre. Et moi, je dis pommes de terre. Ah, pommes de terre. On a Monsieur Lorette aussi avec nous. Comment ça va, Monsieur Lorette? Bonjour. Vous êtes bien, retourne par ici. Ah oui. Monsieur Lorette, où vient Saint-Louis? Saint-Louis, ouais. D'accord. Ouais. Ah, on dit comment, pommes de terre ou pommes de terre? Pommes de terre. Ouais. Les bons. Du moment que les dit en créole. Les bons. Défenseur de la langue créole, c'est ça? M'y connaît que la télé Canal Austral, il fait beaucoup pour la culture créole. Exactement. Donc, c'est l'essentiel, surtout la cuisine, parce que nous perdons nos traditions. Oui. Et c'est avec d'autres que nous va... Bonne Mamaï va regarder, va reprendre. D'accord. Et des Mamaï, Nena aussi, tout à l'heure, que nous va recevoir dans un instant, là. C'est bon? Super. Ouais. Allez, bon, là. Mais ça va un petit coup, Titi, qui a commencé à préparer son bon... ses saucisses. Alors, ses saucisses fumées, saucisses fraîches... Des maisons, hein. Des maisons? Ah bon? Et dans quelle maison, ça? Par Monsieur Waro Eddy. Monsieur Waro Eddy, hein? Ah ouais, bon, ben fais un petit coucou à Eddy alors. Eddy, il a longtemps pour qu'on cuisine pour moi. Hein. Ouais. Écoute, à moi, il y a. Les bons alors, ok. Et au coup, il y a 45 degrés comme ça. Julie, ouais. viens voir, viens de l'autre côté. Je vais m'appeler, ça m'a présenté les plats. Alors, moi, midi, est-ce que tu en as du poulet, on a des saucisses, voilà. Vous le présentez, vous l'avez dit comment il est. Et puis, on peut vous présenter le plat, moi. D'accord, alors. Les bons, au coup, il y a 45 degrés comme chinois. Les bons, hein. Et Bernard, à côté. Où ça prépare ça prépare ça. Coq, parce que c'est un coq lacou hein, qu'on a tué ce matin, hein, qui a été tué ce matin, un coq aux pommes de terre, et assaisonné là tout de suite, sel et poivre à l'intérieur. Avec massalé, hein. Ça fait massalé? Non, on fait à la crème. Attends, mais pourquoi pas massalé? Parce que mi-voix massalé, c'est pour ça mi-voix. Non, ça n'a pas massalé, ça. C'est poivre, ça? C'est poivre, ça. Ah, mon Abéro, ça massalé, hein. Ouais. Non, mais pourquoi pas massalé? Nadine, tu aimes massalé, toi? Oui, j'aime bien. Titi, vous aimez massalé, hein? Créole, Monsieur Lorette, il aime massalé où? Ben nous, Malba, on connaît. Nous quoi dessus? Pas de problème. Bernard, il croit que la pointe d'autorité native, là, actuellement, de faire à nous un massalé coq aux pommes de terre, non? Non, on est moins blessé.
Ouais. Ou la vie Titi, qu'on va échanger la vie tout de suite. Mais tous les vendredis, nous voulons voir ça. Allez, t'arrêtes un peu, non? Mais elle est bien massalée aussi, non? Pomme de thé à sauce. Comme voilà, en criot, bien. Et pareil, massalée même. Bon, mais fais comme vous voulez alors. Titi, vous la vie, comment il est? Non, mais il faut nous faire plaisir, Zulu, ici. Tout le temps, il m'en massalé. On veut m'en massalé où, là? Non, mais non, 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 on a fait plaisir à où? Nous, nous vote, nous vote, nous va voir. Oh, allez, caméra, nous va voter comme c'est battez pas devant la télé. Ne battez pas devant la télé. C'est Zulu, là, comment se... Oui, c'est moi, là, ici, les affaires. Ben, voilà, voilà, voilà. Ah, tu ne peux plus massaler. Ouais, ouais, ouais. Chez nous, dans la cuisine, on a dit comme ça, celle ou ceux qui mettent un grain de sel dedans. Mais Julie, met son grain de sel dedans. Et son grain de sel, t'es presque un petit peu trop noir, la transforme en massalé. Ah, ben moi, comme il va s'amuser, il va massaler direct. Donc voilà. Mais bon? Ouais. Alors, sel, poivre, terre. Allez pas tromper, mettre ça à la place massalée, c'est poivre, ça? C'est poivre, attention. D'accord, alors. Bon, ben bon, nous ça va alors? Hein? Allez, on fait quoi? Un pari moineau. Moineau aux oiseaux, là? Moineau aux oiseaux. Ouais, moineau aura toutes les défenseurs de... des oiseaux, des yaourts après. Mais c'est vrai que quand tu es petit, tu es moins moineau. Bah, elle a mis plaisante seulement. Elle plaisante. Elle n'est pas en voie de disparition, les moineaux, de toute façon. Non, elle n'est pas en voie de disparition. Vaut mieux manger moineau que manger tang. Tang, là, en voie de disparition. Bon, tu carré tang, pas mauvais. Ouais, ouais, dernier mot, on l'a fait. Hein, non, bah. Bon. On l'a fait une coupe haute. Voilà. Et là-dedans, vous mettez quoi comme épices là-dedans? Ben, basique. Oui. Oignons, tomates. Oignons, l'ail, tomates, le thym, un petit peu persil là-dedans. Ouais, 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 ouais. Un petit peu de gingembre aussi, non? Non. Mais bon, voilà. Que Bernard commence à côté là. Hein. Voilà, Bernard. Hein. Comment on se fait revenir le bon coq? Hein. Julie, Bernard, comment on se fait revenir le coq? Oui. La violie, hein? Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu vas attraper le couteau? Non, j'ai juste posé là. Ah, on l'a exposé le couteau? Voilà. Hein, parce que ici, c'est une exposition de couteau. Certainement. Voilà. Tu vois, mais voilà. Bon, bien là, on fait ça en plusieurs fois, là? Deux fois. Deux fois. Hein? Deux fois, ouais. Et là, on fait la pâte, là, regarde ça. Ah, Il n'y a pas de rien, la pâte. Deux coques, hein? Ouais. Deux coques et la viande, elle est vraiment ferme. C'est top. Ouais, ouais. Ah, mi-épluche, les pommes de terre, on voit ça là. Donc là, ça, c'est une corvée, ça, hein? Si mi-épluche pas ça bien, là, car il n'allait pas bon, ça. Ah bon? J'ai plaisante. D'accord, d'accord. Monsieur Lorrain, tu as fait l'armée où? Moi, j'étais engagé dans l'armée. Tu es engagé? 18 ans dans la marine. Ah, ouais. C'était des corvées, ça, les corvées de pommes de terre. Ah oui, oui, aïe, aïe, aïe. Ça, c'était un problème. Épluche les patates, comme ça, on appelle ça dans l'armée. Et plus les patates. On a connu tous ça, nous. Quand tu faisais une bêtise, là, tu étais des corvées de pommes de terre. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, manger les pommes de terre à toutes les sauces, c'est tous les jours aussi. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'était ça, hein. C'est ça. Les pommes de terre, quand moi je vois les pommes de terre, ça me fait penser au service militaire, à l'armée, qu'on était dedans. Voilà. Donc je regarde plus les pommes de terre maintenant. Hein. Ça c'est PSI pour Boucalet. Ou mettre un peu PSI, alors sur Boucalet. À la fin, mettre un petit peu PSI. Oignons verts aussi un petit peu. Hein? Malheureusement, oignons verts parce qu'il y a oignons verts dehors. Là. Mais pas très oignons verts parce qu'il y a tellement oignons verts dehors là. Oui. Non, ben oui, il fait la même chose avec les légumes. Bernard, pour expliquer comment on a fait. Ouais, Bernard. Bernard a critiqué Coyadin. Il a dit Coyadin, ils mettent Cotomili dans le bicycle. Et il y a seulement un vide dans la télévision. La mettre safran dans le bread mouroum. Ah, bon. Mais ça n'est pas grave. Ouais, ça n'est pas grave. Ça sert. Ça fait un petit coup à Jean-Paul Volney qui de là-haut nous regarde. Hein. D'accord, il dit chacun il fait son carré, chacun est rose à sa sauce. Bien sûr. Celle est contente, est contente. Vous connaissez l'expression que moi j'utilise toujours. Ouais. Et Julie connaît lui, hein. Chacun y embrasse son madame à sa façon. Hein. Voilà, bien sûr. Une belle expression, n'est-ce pas? Hein. Donc chacun fait comme il veut. Hein. Du moment où il trouve que les bons. Bon. Hein. Cette, il en parle là, parce que le gars n'est pas fait pareil, voilà. Il n'est pas machin. C'est ça. Ça, c'est un peu la jalousie. Je pense que quand la critique, c'est toujours un peu de jalousie critique, et que les autres n'ont pas fait mieux. Alors, voilà. D'accord. À bon entendeur. Ouais. Mon caribichic, t'es bon? T'es excellent. Ouais. Mais on ne peut pas être juste des parties ou parce que non, on fait partie de la partie. Même quand on fait, il n'est pas bon, mon midi. Ah oui. Donc voilà. Ça, c'est sûr. On connaît, ouais. Parce que, ah oula. Voilà. Mais quand on a fait le caribichic, il était excellent. D'accord. C'est délicieux. Mais bon, alors, voilà. Okay. Ça, c'est le monde après le travail, vous faites votre cas, là, vous avez une occupation, vous avez des remarques, votre tête. Après, il y a ou bien, hein. Ouais. Là, la critique est facile, là, et là est difficile. Voilà, exactement. Ah, voilà. Donc, voilà. Comme il fait, ouais. Mais bon. D'accord. Hein, vous faites déjà un là. Et ça fait un petit piment pour accompagner le repas ce midi. Ah bon? Un petit rougail?
Même pas rougail, c'est piment. Une sauce piment. Ah. Un petit peu d'huile, un petit peu de sel, c'est tout. Ah bon, d'accord. Il y a où les au gingembre, gingembre normal. Toi, voilà. Hein? Ouais. Pour Bernard. Donc, pour... Ça, c'est pour le Karine Bernard. Hein? Ouais, en fait, là, moi, là, mais ceux qui ne parlent pas trop rosement, hein? Et ceux qui existent de manière au moins, les épices iront dedans après. Ouais, parce qu'ils confisent bien rose. C'est vrai, désolé. Mais après qu'on mange la viande, il voit dedans, il manque un peu d'épices quand même. Moi. Ah, ouais? D'accord. C'est vrai, ouais. On a raison. Bon. Le rose, c'est la beauté. On ouais. a un petit cultier pour manger qu'un petit oignon dedans. Les bons. Bon. Hein. Un bon carré, je peux faire trop aussi là. Ouais. Dans la chair, la pointe, cette qu'il faut. Hein. Ouais, ouais. Hein? Bon. Là, on mixe les ouais, gingembre. Les piments. Les gingembre. Piment. Ouais. Pour l'instant, c'est la même. Ça rajoute tout le sel après, tu vois. Le sel, un petit peu d'huile, c'est tout. Il y a l'odeur, le gingembre, il monte là. Hein. Hein, sans lit, là. Ouais, il sent lit là. Ah, hein. Ouais. Et là, il y a que piment avec mes gingembre, hein. Ouais. Sel. De l'huile. Hein. Et c'est tout, moi, le parier, hein. Ouais, c'est bon. Hein. Voilà. C'est gaillard, ça, hein. Et c'est ça qui donne l'appétit, hein. Voilà. C'est ça qui rouvre l'appétit. Hmm? Bernard. Avant la crise Covid, parce que les oignons te coûtent 12-14 euros le kilo. Hein? Tu coupes pas comme ça? Non. Ouais. Non, mais là, nous coupe là, nous tient le regard bien, hein. Mm. Ils mangent pas ça, ça les dure, ça. Ouais. Avant, les oignons étaient faillis, ils ne faillent pas. Ah oui, t'es trop comme cher. Comme ça. Là, les bien, oignons étaient trop chers. Mais là, bientôt, là. Aujourd'hui, comme les oignons étaient à 2,50 euros le kilo. Ah non, la finition, c'est 5 euros maintenant. Ça va changer, là. Bientôt, hein. Donc, on peut se permettre d'enlever les plus grosses feuilles. Ouais. Bon, après, c'est vrai que ça nous. Même les cuisiniers, ben, ils coupent comme ça pour aller plus vite. Ouais. Et si un crayon, son cas, laver les poissons, on donne, défile ça bien fin, ouais. Mm-hmm. Mais ils n'aident pas rien. Hein? Ah, parce qu'ils me regardent à où? Je suis au coupe tomate comme ça, ou donc? Ben oui. Dans la main comme ça? Oui. Nadine, elle dirait que attention à son. À son non, là, pour pas dire attention à son maison parce que. Voilà. Oui, non, parce que là, c'est bon, là. Là, du coup, on m'a pas compris. Mais laisse mes doigts reposer un peu. Laisse mes doigts reposer mais un voilà, peu. Mais voilà, du coup, là, mis ça moins bien. Tu sais, mis ça moins à l'aise, comme il est à la maison, là. Donc, il fait comme ça même, moi. Mon ouais. Petit méthode un peu classique, longtemps. Longtemps. Voilà. Quand ouais. Je regardais ma mère faire la cuisine. Ah, voilà. D'accord. Mm-hmm. Ben, elle est bon. Julie, comment ça va? Et toi-même, comment ça va? Ça va très bien. Bon, ben, contente de te revoir. Et tu vois que là, je suis avec les tomates. Je vois que tu es en train de te battre. Voilà. Ben, on t'attend pour les oignons. On va t'attendre pour les oignons. Créole dit sobat. Voilà. Sobat. T'as vu mes yeux là? Tu veux que je pleure? Oh ma chérie, non. Tu mets tes lunettes de soleil. T'as des lunettes de soleil. Wow, allez, regarde, on va les mettre. Pour les tomates ou pour les oignons? Bah, pour les oignons. Non, mais on va plus l'ailleurs. Voilà. Plus l'ailleurs, tu dis? Ça fait plus de pommes de terre. Hein. Ça fait plus de pommes de terre. Hein. Bon, bon. Les animaux, donc ben, cheval, cabri, ben, canard. Ben, ouais. Bon, là, ils jettent pas. Ben, les beaux, ben, viens. Les bio, là. Tout les bio. Hein, dès qu'on jette là-haut, tu te banais, arrive tout de suite. Hein? Là, ben, un peu partout, partout. Jette, ah, on peut jeter là. Mais un cheval, il peut le jeter aussi. Jette 31 ce moment. Ah, d'accord. Quand ça arrive, il y a jette 31. Hein? Voilà, bons animaux, ils arrivent. Et là, ouais, ça touche à les bio. Tu comprends? Il parle de bio. Ben voilà. Ben voilà. Tu comprends? Il achetait pas ailleurs. Mais ça dit coupe là-bas, il s'y a pour les animaux aussi. Voilà. Ben voilà, Jack 31. Jack 31, puis sale, hein, ce moment, hein. C'est mon cheval blanc, Jack 31. D'accord. Ah ouais. Hein? Dans longtemps, pour qu'on nettoie, dit. Mais après, il faut l'enlever un peu la boue. Alors, bon, comme là, le temps pour descendre, il faut la boue nettoyer un peu. Hein. Oui, et puis avec le temps, ouais, normal, ben, on a un peu la boue. Comme ici, ben, bien sûr. Hein? Ben voilà, on a un beau pays animaux là, dans le fond, là. Ça brille, tout. Tout, canard. Et les coques que nous avons mangées ce midi, ils viennent dans le fond là-bas. Ah, de l'autre côté là-bas. Ok. Hein? Ouais, ouais. Voilà. Ah oui, il déclasse pour me faire avec de l'eau aussi. Ah, ok. Il n'y a rien à prendre. Ben. Vous êtes obligé de regarder pour prendre. Tu comprends? Ah bon.
Et qu'on fait briller comme ça, on fait un petit comme ça avec les pommes de terre. Hein? Oui, on fait. Hein? Ah, faut mettre un peu de couleur dedans. Oui. Bernard, t'as pas un peu de couleur? Après la couleur? Non, il n'y a pas de couleur chez Bernard. Ça, c'est les oignons pour haute bougaille boucanée. Bougaille boucanée, ça. Non, non, non. Oh, là, on la remet tout dans la manette, là. Et l'eau, on fait pas revenir bien rose, ouais. Non. Et là, on rajoute des oignons dedans. Ça, c'est les tomates pour le rougail. Hein. Le rougail, ouais. Hein? Comment on fait? Un cotomili. Un cotomili. Bon. Cotomili, mettre dans quoi ça? Ça pour Bernard, ça. Ça, c'est pour Bernard. Ah, lui, hein? Connaît. Bernard, dans le poulet. T'en souviens, fait quoi, je demande, hein? Ah, ben. Yeah. Laisse causer, hein. Laisse causer? Ah, oui. Bon, la laisse causer, alors. Ah, il faut, hein. Ben, il travaille, hein. Ben, ouais. Ça, c'est live. Ben, comment live? Ça, c'est un petit peu dans la chambre dedans, hein. Safran, tout de suite, curcuma, hein, safran ou curcuma, c'est selon. Safran. Safran. Mais dis toujours safran. Dis toujours safran. Ah, oui. Ouais. Ben, il est bon alors. D'accord. Ça c'est pour appel les ancêtres. Ah ben là, si on entend plus, on entendra plus. Hein. Ça va bon? Excellent. Ça prend dans la jolie couleur. Ah, toujours. Mamie, ben, il y a Dani qui est là. Comment ça va, Dani? Salut, Martin. Ça va, bonjour. Hein, ça va bien? Oui. Tu as été attiré par l'odeur. Tu as tout compris. Et par la couleur. Et par le bruit de la cuillère sur la mamie. Elle a maladie à où? Non, mais dans la cuisine, il faut que tous les sens soient éveillés. Mais en fait, toi et moi, là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Tomate. Mais quel morceau on va prendre pour on plus est en tard train de bah, je réserve veut un bout de gésier et bien sûr un petit bout de cuisse. Ben, moi, je veux bien essayer une pâte. Ben, ma fille, ton café n'est pas. Il y en a quatre. Il y en a quatre. Il y en a quatre pâtes. Voilà. Oui, parce qu'il y a deux poulets. Ah, voilà, tu en as quatre pâtes. Quatre, ça fait trop. Non, c'était trop. Je vais courir. Mais après, quand même. Hein, non, quatre, ça va courir. Je vais t'en laisser deux aussi. D'accord, mais si. Et Julie, mange pas la pâte. Je vais prendre une pâte. Ça, c'est quoi? Cotomili pour gagner le goût. Un petit peu cotomili dedans. J'adore. Mais on n'a pas fait cause de moudou. Ben, mon cari, pourquoi qu'on mette un cotomili, moi? C'est ça la vie. Il m'a fait cause encore de moudou. Bernard, c'est ça la vie. Il a tout compris. Cotomili, ça lui donne le goût d'un cari, maman. Eh bien, oui, Oté. Arrête de crier. Goûtez avant. Voilà. Il est bon. On le dit, là? Ouais, mais sans l'odeur, là. Ah, ouais. La couleur, c'est joli, hein. Allô, Abo, comment ça va? Ça va très bien, comment est-ce Jean-Claude? Ça va, qu'est-ce que t'en fais? T'en fais bougaille saucisse. T'en fais bougaille saucisse? Oui. Ah bon, t'en fais bougaille saucisse. Moi aussi, je fais boucagne avec saucisse. Oui, ben, ok. Bon, nous retrouvons la titi aussi avec Koula. Ah bon? Tiens, elle est jolie son carré, regarde sa titi. Elle met 4 épices tout dedans. Waouh. Ah ouais, vivoire. Le carré à bon. Carré à bon. Tiens, gros maman. Oh, de Rijon et tout, waouh, bravo! De Rijon, ouais. Bravo, hein. Bon, mais ça va pas dire où vient parce qu'on est là tellement bon, ça fait manger là-bas avec vous, hein? Il est bon, d'accord, rien que pour moi, hein? Non, mais pour moi aussi. Ah, nous aussi, hein? On est un peu jaloux, là, qu'est-ce que tu veux? Allez, à aussi pareil! Bon appétit à toi! Là où tu saucisse avec boucané. Oui, je suis allé un petit peu parce que tu finis de faire bouillir un petit peu. Hein? Ouais, je fais bouillir un peu. Là, juste une dernière fois. Là. Ah ouais. Et après, ça rajoute les bonnes épices à l'instant. Ouais. Mais bon. Là, on rajoute les pommes de terre dedans. Rajoute les pommes de terre. Rajoute les pommes de terre dedans. Mmh. Mais même sans les pommes de terre, moi, le carré aurait été excellent. Ah ouais? Ah oui. Ah. Bon. Donc, c'est un poulet aux pommes de terre. Là, hein? Poulet aux pommes de terre. Ah. Et on l'a salé cuit. Ouais. Et les pommes de terre, on l'a pris cuit avant. On l'a fait friter hier. On l'a fait friter un petit peu avant, d'accord. Ben. Bon. C'est bon, allez. Allez. La salé cuit maintenant. Ouais. Veille de l'eau, hein. Non, parce qu'il faut veille de l'eau, parce qu'il ne fait pas veille de l'eau là. Ça, il brûle ça. Ah, ben oui. Parce que ça, il faut baisse de feu. Baisse de feu, veille de l'eau. Tu l'enlèves de l'eau, ça fait revenir à l'île. Comme ça, fait friter à l'île. Le feu, là, c'est fort.
Pas trop. On fait avec. Là, les bons, il y a bien cuit, là. Là, nous avons des oignons. On met les oignons dedans. Un peu poivre. Ouais. Là, on a un petit peu de thym dedans, tout de suite. Ah, le goût. Quand le thym est vert comme ça, hein, le goût est bien. Hein. Goût, ouais. Ah, ouais. Moi, Miguel, pas moi, faire la cuisine avec le thym sec. Longtemps, tout le monde t'a fait, hein, même encore, un peu comme là. Hein. Ouais, mais faut faire parce que... hein? C'est dans le produit frais. C'est dans le produit frais, le meilleur. Hein. Ça, c'est de l'ail. C'est de l'ail. C'est de l'ail, mais pas gingembre. Pas mis gingembre. Pas mis gingembre. Ça, on regarde les saucisses à la créole même. Si, si, regarde, tourne la tête d'ailleurs. On va faire, on regarde les saucisses à la créole même. À la créole même, hein. Allez, bien. La moune arrivée. Monsieur Laurent. Monsieur Laurent, tu donnes beaucoup de main, hein. T'as vu ça? Oui, au moins comme ça, on participe un petit peu. Voilà. Hein, parce que si, sinon, ça, là, hein, donc, les, comme on le dirait, des aspects cuits, ils restent là-bas et puis ils attendent cuit, hein, dit-il. Hein? Oui, non, voilà. C'est pour causer de choses importantes. Ah, ben, non, j'en doute pas. J'en doute pas. On a besoin de l'ail et des oignons. Mais la couper. Non, pour notre carré. Mais la préparer tout, t'es dans une poche. Il n'y a pas de travail pour faire plus l'ail et des oignons, mais ben, ouais. Comme dans longtemps, quand même, madame, tu ne veux pas danser, la dernière goûte l'ail plus. Hein? Tu connais pas ça, toi, Julie? Moi, j'adore danser, hein, donc moi, je ne fiche pas l'ail. Hein. Tu sais, quand les femmes, quand tu les invites avec moi, tu n'as pas danser, ce problème. Hein? Pas danser, ouais. Et bien, les hommes marchaient avec de l'ail. De non, mais avec moi, on l'a pas ce ouais, problème. La... Parce que dès que tu vas danser, allez, puche ça. Ah, moi, j'ai écouté Marlon danser, hein? Là, ça va, ouais. Vous avez vu. Vous avez vu ce que j'ai cuisiné? Alors, t'as dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là! Eh ben, je crois que c'est. Titi, ça, c'est là à faire croire, ça. Tu sais, un peu la nana, là, hein? Des mains des marmites. Des mains des marmites. Jean-Claude, je crois que c'est du porc. Du porc ou du lard? Du lard. Titi, ça te plaît. Alors, on va rajouter la tomate d'Annie, d'accord? Non, 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 j'ai mon commis, là. Moi, j'ai un commis, tu vois. T'as un commis? J'ai un commis. Ah, d'accord. Il est très sérieux. Ouais, ouais. Je vais la carrer un peu quand même, oui, s'il vous plaît. Il y a le saucisse avant. En tout cas, ça sent bon. Hein. Ouais. Ah, là, il faut attendre qu'il lui roussit un petit peu avant, après il met les tomates. Ouais. Hein. Bon, ouais. On a une technique, hein. Ça ne se fait pas comme ça, hein, on gagne le saucisse. Pas du tout, d'accord. Pas de quoi? Pas de safran. Pas de safran, non, c'est un rougail. C'est vraiment le créole longtemps, mais pas de safran, effectivement, dans le rougail. D'accord. Je suis d'accord avec cette technique. Tu es d'accord? Ah ouais, ouais. Même différence entre le rougail et le curry, hein, de toute façon. Hein. Voilà, un curry, c'est avec safran. Et un rougail, c'est sans safran. Même dans le bras de mouroum, hein, on n'en met pas. Mais qui ça la met dans le bras de mouroum? Ça, ça, c'est un petit clin d'œil à Volney. Que... ah, Jean-Paul Volney, paix à son âme. Paix à son âme. Hein. Nous, on vole la réplique à chaque fois. Ah, j'ai volé ta réplique? Oui, d'accord, alors. Et moi, je vous dirais, c'est un paquet, je sais beaucoup. Ah bon? D'accord, alors. C'est un mélange, donc, de boucanet et de saucisse. C'est un beau couple, hein? Comme le couple. C'est un beau couple, hein? Et c'est là que c'est bon. Et c'est là que c'est bon, hein? Un couple de boucanet et de saucisse. Par contre, quand on parle avec boucanet, saucisse, répondit, s'il te plaît. Non, attends, non. C'est bouchon et décale. Ah, bouchon et décale. Bouchon et décale. Non, mais parle pas de choses qui fâchent. Ah oui, là, mais ça gagne encore. Mais vous connaissez quoi, ce système de bouchon qui décale? Alors là, elle me l'a jamais dit. Attends, je lui vais expliquer. Mais tu n'as pas regardé Miss Réunion, toi? Non, hélas. Tu n'as pas vu la candidate numéro 1 qui a dit que quand... que ça encore? Saucisse. Redis-moi le début. Nicole, et puis moi, me dis pas d'affaires comme ça dans la télé. Non, 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 allez, non, 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 non. Non, 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 non. Alors, et puis, alors quand c'est quand saucisse, il cause avec boucanet, ben il dit pas où ça. Cossé, ça va, cossé, il décale. Boucan... Ah, ah, c'est, fait bien les affaires. Quand saucisse, c'est quand j'ai boucanet. Nissan, nous a coupé, là. Nissan a beaucoup de choses que nous a coupé au montage. Refais un petit coup, midi, là. Quand il cause avec saucisse, boucanet répondit. Voilà, et quand il cause avec saucisse, c'est bouchon, il décale. Ah, oui, ben voilà. Mais possible aussi.
Mais tout est possible. Okay, après, la réunion, ça ne s'arrête pas toi longtemps, par contre. Après, on est là, pas, hein. Après, on est là pour faire le buzz. Ouais, mais quand c'est le buzz. D'accord. Voilà. C'est là, on est là pour faire le buzz. Enfin, pas nous, hein, non, je veux dire. Dani nous disait tout à l'heure que chacun embrasse son monsieur à sa façon. Ouais, donc, là, si au cas où on a une expression différente des autres, eh bien, pourquoi pas? Parce que chacun émane ses expressions à sa façon. Absolument. Là, je suis d'accord. Alors, non, l'expression comme ça, c'est un patois créole, c'est un patois réunionnais, faut pas déformer comme ça. D'accord. Hein? Un petit respect quand même. Alors, rien que pour créer le buzz, comme disait Dani, de même, ça met tes affrontements dans une vraie mouroune, mais avant, il fait un signe de croix, mis à genoux, et puis il me demande pardon, Jean-Paul, pardon, le nez d'abord. Hein? Voilà. Ouais, hein? Parce que, écoute, mais Jean-Paul est un grand camarade à moi. Et là, sa maison, c'était ça. Quand Jean-Paul venait ici, il dormait là, tout le temps. Hein? M'allait là-bas, dedans, me mettre à moi à genoux, m'a dit Jean-Paul, excuse-moi, assois-moi, ça fait un petit coup l'assassin. Mais. Parce que la dernière fois, on m'a mettre coton mili dans mon bichi, quoi, dit comment la creuser. C'était bon ça, moi j'ai goûté et c'était très bon. Voilà. Bon, Mila, ça sort parce que là, on dirait que c'est la complainte des dames qui ne cuisinent pas aujourd'hui. Voilà. Non, mais aujourd'hui, j'ai dit. T'as oublié le dernier mot que j'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Nous sommes les goûteuses du jour, spécialisées. Voilà, le quotidien, nous cuisine, quand nous les ici, nous goûtons. Fait semblant. Mais on se connaît que des fois, il faut arrêter de faire un peu trop, hein, parce que des fois, il faut faire un petit peu, mais pas mais beaucoup. Si on fait trop, et pas beaucoup, nous laisse pour nous. Les bons, d'accord. En plus, ça ne nous fait pas beaucoup. Les bons, les bons. Là, il y a une bonne couleur de rougail. Pas de carie, hein, de rougail. Hein, parce que le carie, c'est à la couleur de ta veste, oui, donc jaune. Et le rougail, c'est rouge comme le pendentif de Dani. Voilà. Hein? Moi, j'ai pas ma couleur. Toi, t'es vert. Comme le coton midi qui s'ajoute dedans tout à l'heure. Ou pas. Le coton midi qui s'ajoute dedans tout à l'heure. Il paraît que le jeudi, tout est permis. Alors, c'est jeudi aujourd'hui. Canal Austral, c'est différent, c'est la différence. Et tout vive Canal Austral. Ouais. Elle est bon. Hein. Et ils ont vu le carré de Toto, Vous l'avez vu, Toto parle à nous. C'est un petit coucou à Toto, non? Coucou, Toto. Coucou, Toto. Eh ben, Toto. Toto. Coucou. Ah ben, écoute, hein. Bon, en plus, c'est Jésus, t'es bien. T'as les choses, ça, Julie, hein? Le nerf, c'est vous. C'est chaud. Mais fais comme Jean-Claude. Mais fais comme Jean-Claude. Bon, la boule de bois. Non, mais fais comme moi, là. Non, là, il fait comme moi, là. Fabrice Lali, là, il fait comme moi. T'es gâte, hein? Mais non, amène notre morceau. T'as le droit de notre morceau. Tu la prends toutes. Allez, écoute, ma chérie. C'est pour le sel, balacard. Mais pour le papa. Je vais le prendre. C'est bon? Excellent. Bernard, t'es bon à marier, merci. Ma fille mariée. Ma fille mariée. Eh ben, il faut refêter ça. Deux fois. Non. Ça veut dire qu'il faut refêter ça. Refêter ça. C'est bon, tu me prends forme? Comment? Ça va y aller dans 2-3 minutes, ça va. 2-3 minutes? Mais voilà. Parce que Nadmoun arrivait là. Nadmoun arrivait? Il y a des gens qui sont arrivés, tout à fait. D'accord. Nos petits Mauriciens sont arrivés. Mauriciens et Mauriciennes. Nos frères et sœurs de l'île Maurice. Cousin. Cousin, ça m'a mis. Cousin, cousine. Cousin, cousine est là. Les bons, alors. Voilà, on est arrivé là. Ok. L'enfant au gars tomate comment là? À la mauricienne, ben, Non, mais longtemps t'es fait comme ça, quand on avait pas un pilon, on avait pas un... T'es coupé comme ça? Ben, après c'est un gars tomate, parce que là, au tomate, la fine est coupée en petits morceaux. Mais voilà. Un petit gars tomate, t'as fait ton midi, comme ça, on va faire quoi de mon père. Elle est bon, la colle, elle est bon. Gaille tomate. C'est un petit rougail tomate. Fais à la main. Fais à la main au côté. Fais à la main sans piment. Hein. Avec, piment coupé à la main. Voilà, à la main. Ouais. Et ça, avec, tu peux rougail tomate maintenant couper ça. Avec un petit peu de coton midi dedans. Côté. Un petit peu de coton midi dedans. Ouais. Ah, voilà. Ah, bien. Une séquence de 3 minutes encore. Ah, oui, il y a une séquence de bout, Titi. Et bon. Hein, on a vu les teenagers, comme ça oui. Tu appelles ça. Hein oui, ils sont là, ils sont à la réunion, ils sont avec nous, ils sont sur Canal Austral oui. Là ce soir. Hein, et ils ont parlé un petit peu, ils ont chanté aussi oui. Avec nous. Hein. Les teenagers, le public va découvrir des chansons qui ont marqué la musique mauricienne avec ces jeunes-là. Une nouvelle
une nouvelle adaptation, une adaptation de nouvel arrangement plutôt. D'accord. Un arrangement, nouveau arrangement avec ces jeunes-là. Et aussi, ce qui est intéressant, il y a toujours des, comment dire ça, de nouvelles talents, nouveaux talents. Oui. Hein? Des nouveaux talents que les gens veulent découvrir, des découvertes. Voilà. Bien sûr. Mais là, ces jeunes-là, là, Gérard, ils chantent des chansons qui sont déjà connues, oui. Hein, mais ils vont après, plus tard, sous l'impulsion de toi, parce que je sais que c'est toi qui as l'origine de tout ça, bien sûr. Oui. Hein, imaginez une chanson propre à eux qui vont pouvoir sortir un album, un CD d'avant, un clip, etc. Oui. Hein. On a dans le projet, on a le prochain enregistrement, on va enregistrer encore une fois une chanson ou deux chansons de reprise, oui, oui. Parce que juste pour qu'ils habituent, après là, on va écrire leur propre chanson à eux. D'accord. Et juste pour vous dire qu'il y aura le CJSOI, les Jeux des îles du Nord, les Jeux indiens à Maurice, oui. C'est Teenagers qui chante l'hymne de jeu. Ah, d'accord. Ils sont eux. D'accord. Oui. Ben, super ça. Hein? Donc, du coup, une belle perspective, oui, hein, oui. Pour ces jeunes-là. Oui, mais j'en profite pour dire, après Maurice, il y aura réunion avec l'association Trade Union qui prépare le Teenagers Réunion, d'accord. Ici, qui va être présenté bientôt sur Canal Austral. D'accord, bien sûr. Merci okay. Beaucoup, Gérard. Merci, Canal Austral. Merci. Merci, Jean-Claude. Merci à toi aussi. Allez. Là, c'est le rougail. Rougail saucisse. Hein? Le poulet pomme de terre de Mera, joli aussi. Très joli. Hein? Le riz comme à la mettre. Hein? Ou la vie comme un gars diamètre de riz au feu. Hein? À quatre sacs, comment les pareils, le pic. À Madagascar, là-bas, dans le nord de Madagascar, on a les tins, c'est des coquilles des coraux qui ne sont plus sous terre, mais qui sont sur terre. Bon, ben, il faudra un jour nous savoir l'occasion pour garder là-bas. Les tins de Diego. D'accord. Hein, voilà. Et mon riz ressemble à les tings. Ben, on appelle ça les tingui, mais c'est les tings. Les tings de Diego. Hein? Voilà. Voilà, ça coupe comme des rasoirs, des lames de rasoir. Mais c'est plus de riz alors. Hein? C'est plus de riz. Non, alors. C'est des coraux. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, la mer est descendue. Ouais. Et le corail est resté dans le nord. C'est au nord, est resté. D'accord. Hein, et le corail est à fleur de. fleur de la nature, fleur de l'air, quoi. Fleur de voilà. L'air. Et donc, il est un peu comme ça. Mm. Hein, et c'est comme ça qu'on voit que le riz, l'eau bien dosée. Bon, Julie, t'as trouvé Julie? T'as trouvé Julie? Jolie Mauricienne. Allô, Julie. D'accord. Parce que là, tu es avec les teenagers. Hein? Les teenagers. D'accord, voilà. De l'île Maurice qui vient d'arriver ici. Hein, là-bas, on connaît tout le monde. Hein, salut, parce qu'on aussi, on connaît. Eh oui, moi aussi, je fais partie avec les jeunes des teenagers. Toi aussi, tu voilà. Je sais pas, aujourd'hui qu'on a préparé un bon curry masalé, c'est ça? Ça, non, c'est créole, ça. Hein, le masalé, il faut du masalé dedans. Hein. Hein, t'as vu qu'il connaît bien. Hein. Oui, il connaît bien. Il connaît bien. Hein, voilà. En tout cas, bon appétit et bienvenue ici à La Réunion. Bon appétit, hein. Alors, qui c'est qui sont à La Réunion pour la première fois? Première fois? Basco pour la première fois? Oui, ah ouais? Fois. Toi aussi pour la première fois? Tu viens d'arriver ce matin? Oui. Alors est-ce qu'il fait plus chaud ici à La Réunion qu'à Maurice? Moi je trouve qu'il fait plus chaud, oui. C'est normal. Il fait un peu chaud. Ouais. Oui, très chaud. Mais à Maurice il fait plus chaud. À Maurice il fait bon. Elle fait bon. À Maurice il fait bon, à La Réunion il fait chaud. Hein? Ok, d'accord. Alors bon, on va manger alors? Oui, on va manger. Vous avez faim? On va manger. On a des faim. Typiquement créole, hein? La vraie cuisine créole. Parce que sur Canal Austral, ici, on fait que de la cuisine créole, hein. N'est-ce pas, Dani? Oui, bonjour tout le monde, salut. Ben voilà, donc ici, on est en train d'accueillir les jeunes teenagers de Maurice autour d'un super repas créole, hein, pour les faire découvrir. C'est votre première fois à La Réunion, hein, les amis. Donc, ouais, effectivement, on va manger maintenant. D'accord, c'est bon. Hein. Bon, ben à très bientôt, alors. Au revoir. Allez, au revoir. Donc je prends ça d'abord. Ça c'est du poulet. Poulet. Le poulet était trop bon, bien il paraît. Ouais. Oui, il est parti là. Ah, la partie. Ah ouais, magnifique ce carré. Trop bon. La pâte là, Bernard, bravo. Mais c'est le pelot avec lui, c'est pas vrai. Mais si, c'est toi, même à l'odeur, regarde le mélange, tu sais, on cuisine pas comme ça simplement. Hein. Il faut savoir le faire et c'est de l'art.
Et là, c'est... Non, c'est pas du cochon. Non. C'est de l'art, mais c'est pas du cochon. Elle apostrophe ARD. Voilà. Bon, bien, on retrouve. Mais bon, la prochaine fois, vous avez notre plaisir créole, encore. Mais bon, comme d'habitude. Gros big up toute la réunion. Les bons, ok. Salut, bon app. Gros bisous à toutes. Bon appétit à ceux qui sont à la table. Un gros bisou, nous on se retrouve, maman. Bon. Nous on se retrouve. Les bons.